c'est un appel à projet qui s'adresse aux jeunes qui habitent la région des Pays de la Loire, âgés de 15 à 25 ans. L'objectif de cet appel à projet, c'est en fait de permettre aux jeunes de mettre en œuvre leur projet en valorisant leur initiative. Les projets doivent être portés par les jeunes, 15-25 ans, et s'adresser à des jeunes également. Ensuite, ce sont des projets qui doivent être dans le domaine de la santé et du bien-être. Un autre critère qui est très important et qui est vraiment lié à la démarche, c'est que le projet doit être collectif, qui va réunir plusieurs personnes dans son portage, mais que va aussi peut-être associer les destinataires du projet. Et puis, critère, il faut que le projet se déroule en Pays de la Loire. Après, ça peut être à l'échelle locale, d'un quartier, d'une commune, à l'échelle régionale, ça n'a pas d'importance. Donc il y a un comité de sélection composé de la Mutualité Française, Pays de la Loire et des mutuelles partenaires qui va examiner l'ensemble des candidatures, d'abord sur dossier et éventuellement s'il y a besoin, on pourra appeler les candidats et leur demander pourquoi pas de venir défendre leur projet. Les dossiers qui seront retenus auront trois types de soutien possibles. Un soutien financier, jusqu'à 3 000 euros maximum. Un soutien méthodologique, puisque la Mutualité Française Pays de la Loire et les mutuelles partenaires ont des professionnels qui peuvent accompagner les porteurs de projets. Donc ça va être les conseiller sur la mise en œuvre de leur projet, les encourager dans leur initiative. Et puis un soutien logistique à travers la mise à disposition de salles, faciliter des entrevues avec des collectivités où on peut avoir des contacts. Donc ce sont ces trois formes de soutien dont pourront bénéficier les porteurs de projets. Il y a déjà un dossier de candidature qui est téléchargeable sur le site, donc avec une trame qui va guider le jeune dans sa rédaction. Nous, on va être attentif à regarder un certain nombre de critères que j'ai pu énumérer, à voir en quoi aussi le projet écho aux valeurs mutualistes. Alors les valeurs mutualistes, c'est la liberté, la solidarité et la démocratie. Il y en a d'autres, mais c'est celle-là qu'on a retenue. Un bon projet, c'est aussi un projet où on va sentir qu'il y a de l'envie, qu'il y a du collectif. Quand les projets auront un caractère innovant, évidemment, ils retiendront davantage l'attention du jury que des projets classiques.